Bonjour, je m'appelle Tritou. Je suis la mascotte du SMIHOM. Le SMIHOM est la structure qui assure la gestion des déchets dans ta commune. Ma mission aujourd'hui est de t'apprendre à bien trier les déchets de tous les jours. Le tri commence à la maison. Chez toi, tu peux trier les déchets organiques. Il en existe deux sortes. Les biodégradables, comme les épluchures de légumes ou de fruits que tu jettes dans un composteur qui est dans le jardin ou le salon. Les autres déchets tels que les os, les couches de bébé ou les cotons usagés, tu les jettes dans la poubelle des ordures ménagères qui est généralement de couleur grise. Et si tu n'as pas de composteur, tous les déchets organiques vont dans la poubelle grise. Ensuite, à la maison, il faut que tu sépares tous les déchets recyclables pour les jeter dans trois bacs différents. Si tu n'en trouves pas, alors aide tes parents à les créer. Conseille-leur de les différencier avec les couleurs jaune, vert, bleu. Cela sera plus simple pour l'étape suivante. Donc, dans le bac jaune, tu jettes les canettes de soda, boîtes de conserve, bouteilles plastiques, cartonnettes, briques alimentaires. Dans le bac vert, tu jettes les bouteilles et bocaux en verre, logique. Attention, tu enlèves tous les bouchons et couvercles que tu jettes dans la poubelle grise. Enfin, dans le bac bleu, tu jettes les vieux journaux, les magazines, les publicités, les enveloppes en papier, bref, tout ce qui est en papier. Et c'est tout. Tu vois, c'est très facile. Maintenant que tes bacs sont pleins, tu vas à côté de ta maison, là où se trouve un centre d'apport volontaire avec trois grandes colonnes de couleur jaune, vert et bleu, comme les bacs à la maison. Encore plus simple, tous les autres déchets vont soit dans la poubelle grise, soit à la déchetterie, soit dans des points de collecte spécifiques. Si tu as des doutes sur un déchet, tu trouveras une liste sur le site internet du SMIHOM. Il y a tout un tas d'informations pour bien trier. Et n'oublions pas qu'il faut trier juste pour mieux recycler.